Et bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve à la Morane des Morts. Une sortie avait été organisée par le club de la Londe, on va un petit peu se régaler, encore des petits ravitaux, des trucs, ça m'a motivé du coup. En plus je retrouve mon copain Philippe, il est parti là-bas. Donc du coup on va s'aligner sur le 30 km et avec la section ado parce qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir les enfants du club qui roulent aussi. Donc on va essayer de suivre mais c'est pas gagné. Allez, ça part de là. Bien sûr qu'on est sur le 50. On a retrouvé une relique aussi. Et le retour de Dédé aussi après, je sais pas, un an, deux, trois micros, oh là là. Aujourd'hui, ça va donner. Bravo. Merci. Allez, c'est parti. Départ de la rando. Allez, on commence par dérouler tranquillement dans les vignes. Et c'est super joli. Voilà, histoire de s'échauffer un petit peu. La plus petite section aujourd'hui qui soit alignée sur le 8 km avec Yann. Quel âge ils ont, Yann? Eh ben, les petits ont 6 ans. 6 ans, 6 ans et... Ça commence déjà à rouler, c'est Yann qui leur apprend les bases. Ça pédale. Voilà. Pour vous montrer un petit peu la petite partie du face cachée du club qu'on en parle vraiment pas trop souvent, c'est qu'on a l'école de VTT. Qui est derrière. Qui est derrière et ça commence à l'âge de 6 ans. Et heureusement qu'on a des bénévoles super sympas qui leur font découvrir un petit peu cette pratique. Donc ça va de 6 ans jusqu'aux ados. Qui sont avec nous pour une partie et sur un autre parcours pour une autre. Voilà, donc maintenant il va falloir arriver à les suivre. Eh bon Jean-Louis, il est là. Tu m'as fait peur, j'étais en train de réfléchir. Ouais. Comment il allait arriver à me suivre. Je me demandais s'il allait faire le 8 ou le 16. Donc là j'ai la pression là, des coups là. Qu'est-ce qu'on fait Seb? Ouais. On va faire quoi? L'apéro. Apéro. Apéro. La allez bière. Apéro. La bière. Allez, c'est parti, première côte. Et si j'ai bonne mémoire, elle va être longue. Longue. Et longue. Et quand même assez dure. Allez, je l'avais dit que ça allait monter sévère. Mais c'est même pas fini après ça en fait. Ça montre un peu plus cool, mais plus longtemps. Enfin, on va le faire sur le vélo, je vous promets. Bon, première partie sur le vélo, comme tu peux le voir de suite, mais la deuxième sanction n'est pas évidente celle-là. Elle est dure, elle est longue et dure. Allez, on est en haut, tout sur le vélo, content de moi quand même. Bon, vous avez vu les enfants, par respect, je suis resté derrière pour pas vous dégoûter sur la première côte. Hein. Bon, bah du coup, en suivant le 30 km, on fait pas le joli single qui descend. On continue le long de la DFCI. Dommage, mais bon, dans tous les cas, c'est un manque de forme, donc il n'y a pas le choix. Allez, ça descend toujours pas. Pour l'instant, pédale. Un petit single bien sympa. C'est joli. Toujours avec les petits. Et ils roulent les salopards. Oh là 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 là. Ça va être dur. Ça va être très dur. En plus, ils font les bouts du 40 que je fais pas pour ma part. On s'attend au fur et à mesure. Allez, un petit tronçon. Ah, c'est toujours bon à prendre ça. Allez, ça repédale. Bon, ça va être compliqué aujourd'hui. Parce que pour l'instant, on n'a pas de descente dans notre actif. Et ça monte encore. Dur, dur.
Oh, je sais pas si ça descend, mais c'est bon, on se refaire. Non, c'est bien ce que je pensais. Ça fait juste redescendre ce qu'on vient de monter, quoi. Ah putain, c'est raide les amis. Dur d'être gros, dur, dur, dur. Bon, bah à l'arrivée, j'aurais pu partir plus tôt et le faire tout seul parce que dans tous les cas, c'est ce qui arrive malheureusement. Bon, ils m'attendent un peu plus loin, mais j'arrive pas à suivre. J'arrive pas à suivre. Il y a Jean-Louis là-bas, regarde, et il me motive, mais je suis à la ramasse complète. Il va falloir que je fasse une quête pour qu'on m'achète un vélo électrique. C'est pas possible. Ah, et ça profile descendant, ça descend pas vraiment, c'est tout petit peu. C'est ludique. Oula, une roue avant qui est partie. Aïe 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 aïe. Allez, ben ça repédale. Je veux rentrer à la maison. Je veux rentrer à la maison. Allez, ça descend mieux encore. Top, t'es pas. Allez, 30 mètres de descente, 3 km de montée. Allez, c'est reparti. Bon, ben, il y a Fabien qui est resté un petit peu avec moi. Ça, je suis pas tout seul. Bon, pour l'instant, c'est pas trop amusant que de la DFCI, du coup, sur le 30 km. On a fait 13 km pour 400 mètres de dénivelé. Pas terrible. Après, attention, il y a des belles descentes, mais elles étaient sur le 40 km et... Ah, les jambes, donc voilà, mais du coup, ça, pour le moment, ça chaîne toutes les belles descentes, en fait, que de la DFC. À voir après, mais du coup, c'est dur moralement, physiquement et tout ça. Et puis j'ai le dos qui tire beaucoup, là, c'est très très dur. Ah là là. Ravito ! C'est moi. Ah, je les ai retrouvés, je pense qu'ils étaient derrière moi, ils avancent pas, les. Ils avancent pas, les couillons. Tiens, ils sont bons, hein, les pandémies ici. Hein. T'étais où ? Derrière, hein. Non, devant. Ah, merde. Ah, je lui ai mis la poudre, mais là, ah, mais c'est pour ça, moi j'attendais, je croyais qu'ils étaient derrière. Non, mais mets-toi à bêler, elle est plus cool, le 8 km, c'est quelque chose. Je crois que j'aurais dû faire le 8. Ah ouais, je crois. Week-end de l'Ascension, ils sont morts. On fait des sorties, on va faire des sorties, 3 sorties de 12 km, pas plus. Fini. Allez, ça déroule encore avec les anneaux du Crora Team, ils sont là. Ils sont en forme. Ils ont de la chance, hein, parce que moi j'y suis pas. J'en profite pour les filmer parce que dans 100 mètres, hein, ils m'ont mis un kilomètre. Donc voilà. On en a récupéré 3 avec nous. Et puis on va essayer de se finir la sortie. On a fait la moitié là, je pense. La moitié. Allez, petit point de vue dégueulasse sur la droite. C'est vraiment moche. La mer, le soleil. Franchement, je suis désolé de vous montrer tout ça. C'est terrible de rouler là-dedans. Très dur, mais je le fais pour vous. Vraiment pour vous. Allez, ça a l'air de descendre un peu là. Bon, pour l'instant, on est toujours sur de la piste large, malheureusement. Ça remonte un petit peu. Non, ça va.
dommage que j'ai pas les watts pour relancer quand il faut. Je sais pas où on est. Voilà, ça a l'air sympa. Un peu plaisir. Oh, putain. Je vois que dalle. Oh, c'est bon. Je suis Cyril, parce que j'y vois rien là, je suis sa roue. Et moi j'essaye. Parce que c'est le problème quand tu suis, c'est que tu vois pas devant. Oh que c'est bon. Ah, je crois que je la connais celle-là. Ah ben c'est très bien. En amusant, j'arrive pas à me lever de l'idée que ça va remonter derrière. Ah. J'ai même des crampes aux jambes. Allez, c'est parti, ça remonte les enfants. Allez les gars, on tremble pas, là on appuie un peu sur les pédales là. Oh. Ça avance pas là! Même moi je suis, bordel! Même moi je suis, c'est pas normal! Il faut les engueuler un peu pour qu'ils se mettent à rouler, sans déconner! C'est le gros qui les motive! Non, pas trop quand même! Hein. Ah, déconnez pas! Hein. Bon, maintenant que je vais lâcher, je coupe la caméra, quoi. Bon, pour l'instant, c'est cool, c'est du four plat descendant, là. C'est mieux que le départ. Les petits, ils ont envoyé du bois, là. Ils sont partis à balle. Après, je redoute quand même la fin, là, parce que ça risque de faire plein de petits coups de cul bien cassants, là, histoire de se finir. Alors... on essaye de récupérer un peu là-dedans tout en avançant et puis on verra bien. Allez, ça déroule toujours pour l'instant. Ça fait du bien. Toujours le même profil. Ça permet de prendre un petit peu de plaisir. T'as l'impression que tu roules quand même. Du coup, impeccable. C'est bon pour moi ça. On est à 23, presque 24 km. On est proche hein, de la fin. Il n'y a plus qu'à s'économiser pour arriver jusqu'au bout. Allez, on y est, parce que je voulais te parler. Les petits coups de cul. Là, il faut des watts. Mais bon, vous l'avez bien compris. Perso, j'en ai pas.
On les rattrapera à l'arrivée. Ils seront déjà en train de boire l'apéro. Quand moi j'arriverai. Elle est sympa cette partie. Si t'as la forme, c'est encore plus amusant. Je suis perdu là. Mais ça descend un peu. Par la gauche. Merci. Ça, c'est gentil ça. Oh, petit bout de descente comme ça, ça fait du bien sur la fin. Je sais pas si on va se faire les deux gros coups de cul. On verra bien. Et Luan, les deux freins. C'est très très bien. Bravo les enfants. Tu as deux freins, toi c'est Edgar là-haut qui commence en avant. Bon, comme vous pouvez le voir, ils nous ont pas préservé sur la fin. Ça monte encore en raid. Et je pense que c'est pas fini, on va avoir les petits coups de cul. Ouais, doucement sur les vitesses. Parce que là, il manque un peu de lubrification. Je l'ai pas fait avant de partir sur la chaîne. Elle queen. Eh ben c'est fait, tranquillement, mais sûrement. Bon, mais j'ai bon espoir que ça monte plus là. Je pense que ça va être comme ça tout le long maintenant. Ou alors il y a un truc que je me rappelle plus. Eh ben on va dérouler du coup jusqu'à l'arrivée, puis se requinquer autour d'un bon verre et d'un bon apéro. Voilà. Bonne petite rando, enfin plus pour les. Pour les jambes que pour les descendre du coup, parce que sur le 30 on n'a pas été très servi, vu que en fait toutes les boucles où il y avait les descentes, ben, c'était celle du 40. Encore une fois, ben, m'en prend qu'à moi, manque de forme, déjà j'ai du mal à boucler un 30, donc ben voilà, c'est plus une sortie pour voir du paysage, entrevoir les copains parce que finalement j'arrive pas à les suivre non plus, et puis se faire un petit peu les cuisses, hein. Voilà, c'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Allez, on se retrouve à l'arrivée les amis. Et merci de me suivre malgré tout ça, là, parce que c'est compliqué. C'est compliqué et je tenais à vous remercier. Et nous voilà arrivés. C'est terminé. Ah.